chez vous. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فنواصل بإذن الله تبارك وتعالى قراءتنا لكتاب فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى نواصل قراءتنا لكتابه المسمى بشرح حديث جبريل في تعليم الدين وأما عن الدرس الماضي فقد تكلمنا عن الإرادتين أو المشيئتين لله تبارك وتعالى وأن إحداهن مشيئة الله تبارك وتعالى الكونية والأخرى الدينية وذكرنا الفرق بينهما وتكلمنا أيضا عن الكتابة أن الأمور كلها كتبت في اللوح المحفوظ وأن ما كتب في اللوح المحفوظ فلا بد من وقوعه وأما قول الله تبارك وتعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت فقد ذكرنا كلام العلماء وأن هذا المحو وهذا الإثبات يكون في فروع هذا الكتاب المحفوظ وليس في الكتاب المحفوظ بذاته وذكرنا كذلك أنه لا يجوز الاحتجاج بالقدر إلا في من أذنب وتاب إلى الله عز وجل ثم جاءه لا ثم لامه لائم فاعتذر بالقدر ففي هذا في هذه الحدود بالضبط يجوز الاحتجاج بالقدر أما غيرها فلا وذكرنا كلام العلماء أيضا أنه يحتج بالقدر في المصائب دون المعائب Donc nous continuons, Inch'Allah, tabarak wa ta'ala, notre explication du hadith de Jibril. Explication faite par Cheikh Abdel Mohsin al-Abbad, qu'Allah le préserve. Concernant le cours de la semaine dernière, nous avions traité de beaucoup de choses, d'où la difficulté un petit peu du cours de la semaine dernière, il y avait beaucoup de choses à assimiler, qui n'étaient pas beaucoup de choses assimilées, beaucoup de choses assez difficiles à assimiler en même temps. Donc le cours de la semaine dernière était assez difficile à comprendre, ou était assez pesant. Je vais donc m'assurer que vous avez bien compris le cours de la semaine dernière en vous posant des questions comme d'habitude. Donc la semaine dernière nous avions parlé des deux volontés d'Allah subhanahu wa ta'ala. La première qui est la volonté universelle et la seconde qui est la volonté juridique. Qui peut me citer la différence entre les deux, entre les deux volontés d'Allah subhanahu wa ta'ala? C'est que la volonté universelle, c'est-à-dire ça englobe toute volonté, mm-hmm. et que la volonté juridique, c'est uniquement dans le bien. C'est-à-dire que la volonté universelle, ça englobe toutes les volontés. C'est-à-dire que ça englobe dans le bien ou dans le mal. Ça englobe toutes les choses. Ouais, toutes les choses. Non, la volonté universelle, dans l'Allah subhanahu wa ta'ala, est valable sur toutes choses. Tu peux me donner un exemple? Qui peut me donner un exemple de la volonté universelle d'Allah subhanahu wa ta'ala? Qui peut me donner un acte, un fait qui entre dans le cadre de la volonté universelle? Par exemple, dans la salat, si... Par exemple, celui qui délaisse la prière, cela rentre dans la volonté universelle d'Allah subhanahu wa ta'ala.
De même, par exemple, on peut citer les séismes, les inondations, qui sont à première vue un mal. Mais comme on a dit, on a expliqué précédemment dans les cours précédents, que un mal qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé, il a toujours une sagesse derrière. Celui qui la connaît, alhamdoulilah, tant mieux pour lui. Celui qui ne la connaît pas, il se doit de se soumettre. Donc Allah subhanahu wa ta'ala ne crée pas un mal pur, un mal qui est pour nous un mal, mais vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a toujours une sagesse et un bien derrière. Donc la volonté universelle d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle englobe toutes les choses qui ont lieu dans cet univers, que ce soit des choses bien ou mauvaises. Et quant à la volonté juridique d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui peut me donner un exemple? Déjà, quelle est sa définition? Et qui veut me citer un exemple? Faudra la définition exacte, Allah Alam. Mais maintenant, ce que ça veut dire en gros, quoi, c'est que c'est uniquement dans les choses bien. Quand on essaie de délaisser la salat, c'est plutôt une mauvaise chose. Mm-hmm. Voilà, donc la volonté juridique d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle englobe que les choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a agréées, les choses aimées par Allah subhanahu wa ta'ala. La volonté juridique n'englobe pas les péchés. La volonté juridique n'englobe pas ce qui nous paraît, nous, un mal. La volonté juridique, elle englobe toutes les choses bien, toutes les bonnes actions qui sont agréées chez Allah subhanahu wa ta'ala, comme la prière, comme le jeûne, comme la bienfaisance. Tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de faire, ou que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a considéré comme un bien, lorsqu'il a lieu, il a lieu grâce à la volonté juridique d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on avait aussi cité une autre différence entre les deux volontés, la volonté universelle et la volonté juridique. Quelle est la différence entre les... Quelle est l'autre différence que l'on avait citée également? La volonté universelle, elle a toujours lieu. Non. Donc la volonté universelle, parmi les différences qu'elle a avec la volonté juridique d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que la volonté universelle, elle a toujours lieu. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala désire quelque chose par sa volonté universelle, cette chose a toujours lieu. Donc la différence qu'on avait citée, une des autres différences qu'on avait citées entre la volonté juridique d'Allah subhanahu wa ta'ala et la volonté universelle, c'est que la volonté universelle d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala désire et veut par sa volonté universelle, cette chose aura lieu obligatoirement. Si Allah subhanahu wa ta'ala décrète ou veut, par exemple, qu'il y ait un séisme dans un pays, et bien ce séisme-là aura lieu. Si Allah subhanahu wa ta'ala désire, par exemple, que quelqu'un tombe malade par sa volonté universelle, cette personne-là tombera malade. D'accord? Donc, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala désire une chose par sa volonté universelle, cette chose aura lieu sans aucun doute. Non. Quant à la volonté juridique, la volonté juridique, c'est ce qu'Allah demande de faire. Et il y a des gens qui le font, tant mieux pour eux, et des gens qui le font pas. C'est ce qu'Allah demande de faire, ça ne se réalise pas forcément. Non, personne. Concernant la volonté juridique, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala veut quelque chose par sa volonté juridique, donc autrement dit, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala veut un bien, Allah subhanahu wa ta'ala veut de nous un bien, mais ce bien-là, on ne peut le faire que si Allah subhanahu wa ta'ala nous l'accorde par sa grâce. Sauf si Allah subhanahu wa ta'ala, par sa grâce, nous accorde et nous facilite le fait de faire cet acte. On avait donné l'exemple de la prière. Celui qui veut prier est une bonne action. Donc elle entre dans le cadre de la volonté juridique. Allah subhanahu wa ta'ala veut de nous juridiquement que l'on prie, mais celui qui prie, il ne priera que si Allah subhanahu wa ta'ala lui aura accordé par sa grâce. Si Allah subhanahu wa ta'ala par sa grâce accorde à cette personne de faire la prière, elle la fera. Quant à celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas accordé par sa grâce, ou ne lui a pas donné la grâce, ou ne lui a pas fait grâce de faire cette prière, il ne la fera pas. Donc autrement dit, entre la volonté universelle et la volonté juridique, la volonté universelle, un acte qui a lieu par la volonté universelle d'Allah subhanahu wa ta'ala aura lieu sans aucun doute. Et un acte qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut de nous par sa volonté juridique, cet acte a lieu sous condition. Et la condition, c'est quoi? C'est la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous avez compris ou pas?
C'est bon. De même que l'on avait expliqué que toute chose était écrite dans le livre protégé. Et on avait cité un verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit « Allah efface ce qu'il veut et confirme ce qu'il veut et il a auprès de lui la mère des livres, ou le livre mère. » Quelles sont les explications des savants qu'on avait citées sur ce verset-là? Puisque une chose que le cheikh avait citée, une règle que tout le monde doit connaître, c'est que tout ce qui est écrit dans le livre protégé, dans le livre mère, il n'y a aucune possibilité de modification. Tout ce qui est écrit dans le livre mère ne peut être modifié en aucun cas. Ce qui est écrit, il restera et sera infalsifiable à jamais. Or, le verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Allah efface et confirme ce qu'il veut. Donc il y a bien un endroit où les choses, où les actes sont effacés et sont confirmés. Quelle est l'explication des savants que l'on avait cité pour ce verset? L'explication de ce verset. Béchir. Par exemple, quand les malaïkas, par exemple, ils notent un péché d'une personne, et que la personne après a fait le tawba, quoi qu'il arrive, c'est en concordance avec ce qu'Allah avait écrit dans le livre. Non. Donc, l'explication des savants qui a été donnée sur ce verset-là, c'est que la modification, déjà la première chose qu'il faut savoir, c'est qu'il y a le livre mère et il y a d'autres livres sur lesquels sont écrits les actions des personnes. Comme par exemple, on sait très bien que les anges écrivent tous les actes que l'on accomplit dans un livre. Un livre qui nous sera remis le jour du jugement. Celui qui prendra le livre par sa main droite, ce sera une bonne annonce pour lui. Quant à celui à qui on donnera son livre par la main gauche ou derrière son dos, c'est un mauvais signe. Ce sera un mauvais signe pour lui. Donc il y a bien un livre dans lequel les anges écrivent nos actes, écrivent tout ce que l'on dit, tout ce que l'on fait. Un livre qui sera témoin pour nous ou contre nous le jour du jugement. Donc il y a bien deux livres distincts. Bon, là c'est un exemple du livre dans lequel écrivent les anges. Il y a bien le livre protégé, le livre mère, l'Lawh al-Mahfouz, et le livre qui nous sera remis le jour du jugement. Et ce livre-là, c'est le livre dans lequel les anges écriront nos actes. Actes bien comme les actes mauvais. Et les savants ont expliqué que les modifications dont il est fait allusion dans le verset où Allah efface ce qu'il veut et confirme ce qu'il veut, l'effacement et la confirmation des actes se fait dans les livres où écrit dans le livre où est inscrit ce que les anges inscrivent. Donc la modification sera faite dans ce livre où les anges inscrivent nos actes et non dans le livre protégé. Vous avez saisi ou pas? Vous avez compris? Et on avait aussi parlé du fait de se justifier ou de justifier un acte, un péché, en utilisant le destin. Et la règle, c'est qu'il est interdit à quiconque de se justifier, de justifier un péché qu'il fait en utilisant le destin. En disant par exemple, s'il boit de l'alcool, je bois de l'alcool parce que Allah me l'a décrit, Allah me l'a destiné. C'est le destin d'Allah. Allah, il m'a destiné que je bois de l'alcool, alors je bois de l'alcool. C'est interdit. Il est interdit en islam de justifier un péché que l'on commet en utilisant le destin. Et on avait expliqué le hadith où il y avait l'intercation entre Moussa alayhi salam, entre Adam et Moussa alayhi salam, lorsque Adam dit à Moussa, ou lorsque Moussa alayhi salam dit à Adam, ô toi Adam, à qui toi Adam, tes péchés t'ont sorti ou t'ont fait sortir du paradis. Et Adam alayhi salam a répondu à Moussa en lui disant, et toi Moussa, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi et à qui Allah subhanahu wa ta'ala a parlé, a adressé la parole, et ensuite tu me reproches d'un fait
qui m'a été destiné avant même que je sois créé. Les savants ont expliqué, ont donné deux explications à ce hadith. Qui peut me les citer ? Pour prouver qu'en aucun cas dans ce hadith, il y a une preuve qu'il est autorisé de justifier un péché en utilisant le destin. Qui peut me citer au moins une des deux explications des savants ? Non, il avait dit sur le fait qu'en fait, c'était pas sur le péché en soi, mais c'est sur le malheur qui s'était abattu. Non, Ahsant. Donc, Ahsant, à moitié, on va dire. T'as raison à moitié. Ce que tu as dit est vrai, mais c'est la parole de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. La parole que tu viens de citer, c'est l'explication de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, qui est. La première explication qui est que on justifie un malheur en utilisant le destin, mais non un péché. C'est-à-dire que Moussa alayhi salam a reproché à Adam, ou lui a fait un reproche concernant le malheur qui a découlé du péché que Adam alayhi salam a commis en mangeant de l'arbre. Et le malheur, c'est quoi? Le malheur qui a découlé du fait que Adam alayhi salam a mangé de l'arbre. C'est le fait qu'il ait été expulsé ou qu'il ait été sorti du paradis. Donc ça, c'est un malheur. Et Moussa alayhi salam a reproché à Adam ce malheur-là. Il lui a dit que, à conséquence de ton péché, eh bien, les gens ne sont plus au paradis. Ou tu as été sorti du paradis et en conséquence, les êtres humains également ont été expulsés indirectement du paradis. Donc là, Moussa alayhi salam a reproché à Adam non pas le péché, mais le malheur. Et Adam alayhi salam s'est justifié du malheur et non du péché. Donc ça, c'est la première explication faite par Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. Et la deuxième explication que Ibn al-Qayyim rahimahullah a faite, quelle est-elle? Non, attends. C'est par rapport au fait que Adam il avait déjà fait Tawba, donc le fait de il n'y a pas de mal en fait à mentionner le dessin dans la mesure où l'action est passée et qu'il y a eu le droit de penser. Non, merci. Et la deuxième explication faite par Ibn al-Qayyim rahimahullah, c'est qu'il est autorisé de se justifier ou de justifier un péché qui a été commis en utilisant le destin à une condition ou sous condition. À condition que la personne ne fait plus le péché, l'a délaissé, que ce péché est inexistant, qu'il s'est repenti, qu'il était sincère dans ce repentir. Et ensuite, si une personne lui reproche ce péché qu'il avait fait auparavant, dans ce cas, il lui est autorisé de dire que c'était quelque chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui avait prédestiné. Pourquoi ? Car Ibn Qayyim rahimahullah dit: car en se justifiant d'un péché qui n'existe plus, d'un péché dont la personne s'est repentie, il n'a pas utilisé le destin pour faire une chose mal, pour abolir un droit ou pour soutenir ou pour confirmer un péché. Il a utilisé le destin uniquement pour répondre à la personne. Dans l'utilisation du destin pour justifier un péché dont la personne s'est repentie, il n'y a aucun mal. Quel est le mal? Il n'y a pas de mal. Contrairement à celui qui persiste dans son péché et utilise le destin pour justifier son péché, là il y a un mal. C'est quand il a utilisé le destin pour justifier son péché. Ceci est interdit. On n'utilise pas le destin à de mauvaises fins. Vous avez cédé ou pas? On avait aussi parlé des deux sectes qui existent en islam dans le cadre du destin, de la prédestination. Quelles sont ces deux sectes? Qui peut me citer leur nom? Non, monsieur. Une parmi elles, Al-Qadariya. Et la deuxième? Al-Jabariya.
quel est leur égarement respectif? Pourquoi est-ce que Qadariya est une secte égarée? Non. Ils sont créés par qui? Par les créatures. L'égarement de Qadariya est qu'ils disent que l'homme crée lui-même ses actes et qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne crée pas les actes des êtres humains. Et ceci est un égarement total. Et on avait cité les conséquences directes de cette parole-là. Quelles sont les conséquences directes de cette parole-là? Le fait de dire que ce n'est pas Allah subhanahu wa ta'ala qui crée les actes, mais c'est l'être humain lui-même qui crée ses actes. Non. Il a un pouvoir dans la conséquence directe, la conséquence néfaste directe qui en découle, c'est que cela veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il y a dans le royaume d'Allah subhanahu wa ta'ala des choses qu'Allah n'a pas créées. C'est-à-dire qu'il y a des choses dans l'univers d'Allah dans lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas de pouvoir, qu'Allah ne contrôle pas. À partir du moment où l'être humain crée ses actes, ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala il ne les a pas créés. C'est-à-dire qu'il y a des choses dans le royaume d'Allah qui ne sont pas créées par lui. Or, les versets sont clairs. Allahu khaliqu kulli shay. Allah subhanahu wa ta'ala est le créateur de toutes choses. Le Coran est clair à ce sujet. Et toutes choses, comme le dit le shirk, Allah subhanahu wa ta'ala a à la fois créé les êtres humains et leur acte. Il a créé toutes choses. Allah subhanahu wa ta'ala est le créateur de toutes choses. Quant à Al-Jabriya, quel est leur égarement? Quelle est leur fausse croyance? Ils disent que on est comme téléguidé, comme télécommandé, c'est-à-dire si, comme vous avez dit, si la plume, le vent, il emporte à droite, à droite. Non. Les Al-Jabriya, eux, disent que l'être humain n'a pas de volonté, n'a pas de libre arbitre. Que l'être humain est, comme on avait dit, est autocommandé. L'être humain suit, ou plutôt est téléguidé. Tout ce qu'il fait, il n'a aucun libre arbitre dessus. Il n'a aucune volonté. Et quelle est la conséquence directe de cet égarement? Quelle est la conséquence directe de cet égarement? Non, c'est l'inutilité en fait de l'envoi des messagers. Voilà, Ahsant. Si une personne et tous ses actes sont télécommandés, il n'a aucun pouvoir dessus, il n'a aucune volonté, il n'a rien, il n'a aucun libre arbitre, dans ce cas, comment est-ce qu'on peut le juger? Dans ce cas, pourquoi est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé, a envoyé des prophètes et a révélé des livres? Pourquoi? Il n'y a aucune utilité. Si l'être humain, il fait ce qui lui a été dit de faire, ou plutôt il fait toute chose sans le vouloir, sans avoir aucune volonté, aucun libre arbitre, comment est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut-il le châtier? Alors que cette personne, elle a suivi, elle a fait ce qui lui a été commandé de faire. Dans ce cas, pourquoi est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala aurait envoyé des prophètes qui ordonnent le bien et interdisent le mal, des prophètes qui parlent à des personnes qui ont une raison, qui ont un libre arbitre, qui ont un choix? L'être humain a un choix. Allah subhanahu wa ta'ala nous a montré les deux voies, la voie du bien et la voie du mal. Celui qui a choisi la voie du bien, il l'a choisi, il a eu un libre arbitre. Comme celui qui a choisi la voie du mal, il l'a choisi, il a une volonté. ويقول الشيخ حفظه الله تعالى وأهل السنة والجماعة وسط بين الجبرية الغلاة بين الجبرية الغلاة في الإثبات والقدرية النفاة، فإنهم أثبتوا للعبد مشيئة وأثبتوا للرب مشيئة عامة وجعلوا مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله. Et quant aux gens de la sunna, les gens de la sunna sont entre Al-Jabriya et Al-Qadariya. Al-Jabriya, qui disent que la personne est commandée, est téléguidée, et Al-Qadariya, qui nie toute création d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui nie le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait créé
les actes des êtres humains. Ahl sunnah, les gens de la sunna, sont entre les deux. Qu'est-ce qu'ils disent, les gens de la sunna? Ils disent que l'être humain a une volonté, a un libre arbitre. Et ils disent également qu'Allah subhanahu wa ta'ala a une volonté générale. Et ils disent également que la volonté de l'être humain suit la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Al-Qadariya, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que l'être humain, yarhamukallah, ils disent que l'être humain a une volonté, mais qu'Allah n'en a pas. Al-Qadariya disent que l'être humain a une volonté, parce qu'il crée lui-même ses actes, mais qu'Allah n'a pas de volonté sur leur acte. Pourquoi? Parce qu'Allah ne les a pas créés. Al-Jabriya, le contraire. Ils disent que l'être humain n'a pas de volonté, mais qu'Allah subhanahu wa ta'ala a une volonté. La seule volonté existante est celle d'Allah. Al-Qadariya, qu'est-ce qu'ils disent? La seule volonté existante est celle de l'être humain. Ahl-Sunnah wal-Jama'a, les gens de la Sunna, ceux qui suivent la vérité, ceux qui sont dans la vérité, ils disent que l'être humain a une volonté et que Allah subhanahu wa ta'ala a une volonté et que la volonté de l'être humain suit la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. كما قال الله عز وجل لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين فلا يقع في ملك الله ما لا يشاءه الله بخلاف القدرية القائلين إن العباد يخلقون أفعالهم ولا يعاقب العباد على أشياء لا إرادة لهم فيها ولا مشيئة. Allah subhanahu wa ta'ala dit selon le sens des versets, pour celui d'entre vous qui veut suivre le chemin droit, mais vous ne pouvez vouloir que si Allah veut, lui le Seigneur des mondes. Donc dans ce verset-là, on retrouve bien les deux volontés. Allah subhanahu wa ta'ala dit, pour celui d'entre vous qui veut suivre le chemin droit. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit, mais vous ne pouvez vouloir que si Allah, que si lui veut, le Seigneur des mondes. Donc dans ce verset-là, on voit bien que l'être humain a une volonté, parce que Allah a dit, pour celui d'entre vous, il parle à qui? Il parle à nous, aux êtres humains. Pour celui d'entre vous qui veut suivre le chemin droit, donc il y a l'être humain a bien une volonté, mais ensuite Allah a dit, mais vous ne pouvez vouloir que si Allah veut. Mais votre volonté, autrement dit, votre volonté, à vous, ô être humain, suit la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَلَا يَقَعُ فِي مُلْكِ اللَّهِ مَا لَا يَشَأْهُ اللَّهِ. Donc, dans l'univers d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas une chose qui a lieu sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne l'ait voulu. Contrairement à Al-Qadariya, comme je vous l'ai dit, qui disent que les êtres humains créent eux-mêmes leur acte. ولا يعاقب العباد على أشياء لا إرادة لهم فيها ولا مشيئة كما هو قول الجبرية وبهذا يجاب عن السؤال الذي يتكرر طرحه وهو هل العبد مسير أو مخير فلا يقال إنه مسير بإطلاق ولا مخير بإطلاق بل يقال إنه مخير باعتبار أنه أن له مشيئة وإرادة وأعماله كسب له يثاب على حسنها ويعاقب على سيئها وهو مسير باعتبار أنه لا يحصل منه شيء خارج عن مشيئة الله وإرادته وخلقه وإيجاده. الشيخ répond à une question que beaucoup de gens se posent. Est-ce que l'être humain choisit ce qu'il fait ou alors est-il contraint? Est-ce qu'il choisit ce qu'il fait ou alors est-ce qu'il est contraint à faire ce qu'il fait? La réponse est, on ne peut pas dire qu'il est téléguidé
à 100% ou qu'il est contraint à 100%, de même qu'on ne peut pas dire qu'il choisit et qu'il veut à 100%, entièrement. Mais la réponse est que la personne a une volonté, c'est-à-dire que lorsqu'il fait un acte, il a un libre arbitre dans cet acte-là, et que lorsqu'il fait un acte, cet acte lui sera affecté, cet acte lui sera dédié. Si c'est un bien, il en sera récompensé, et si c'est un mal, il sera réprimandé. Donc, lorsqu'on dit qu'une personne a un libre arbitre, une personne veut, c'est-à-dire que lorsqu'il fait une chose, il a une part de responsabilité dans l'acte qu'il fait. Et lorsqu'il fait un acte, cet acte lui est affecté. Il en prend la responsabilité. Si c'est un bien, il en sera récompensé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et si c'est un mal, Allah subhanahu wa ta'ala le réprimandera. Et on dit qu'il est musayyar. Je ne sais pas comment traduire musayyar. Contraint. Tu veux dire contraint ? Non. Et le fait de dire qu'il n'a pas de libre arbitre, ou qu'il est contraint, ou musayyar, ou qu'il est, on peut dire téléguidé, commandé, autocommandé, pour expliquer. Musayyar, c'est-à-dire qu'il est contraint ou qu'il n'a pas de libre arbitre, c'est-à-dire qu'il ne peut pas faire une chose qui sort de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne peut pas faire une chose qui sort de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala ou de sa création. Toute chose qu'il fera, cette chose est suivie ou suit la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala et la création d'Allah azza wa jalla. Donc est-ce qu'une personne est obligée de faire ce qu'elle fait? Non. Est-ce qu'elle est obligée à 100%? Non. Est-ce qu'elle fait ce qu'elle veut à 100%? Non. La personne a une volonté, a un libre arbitre, mais cette volonté-là suit toujours la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une personne, c'est pour ça, il y a des personnes, beaucoup de gens qui se posent la question, pourquoi alors faire la prière? Si tout a été destiné, pourquoi alors faire la prière? De toute façon, il ne m'arrivera que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'a destiné. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont posé cette question au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les compagnons discutaient entre eux sur ce sujet-là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est énervé. Et leur a dit, faites ce qui vous est ordonné de faire. Chacun sera facilité vers la voie pour laquelle il a été créé. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il nous dit? Appliquez. Faites ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a ordonné de faire et délaissez ce qu'il vous a interdit. Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lu le verset فَمَا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. Ensuite, le prophète sallam a cité un verset où le sens du verset est celui qui donne l'aumône et qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala lui facilitera vers la voie facile. Allah subhanahu wa ta'ala lui facilitera vers la voie facile, vers le bien. Quant à celui qui est avare, Allah subhanahu wa ta'ala lui facilitera vers la difficulté. Et les savants ont déduit de ce verset-là qu'une personne, lorsqu'elle veut un bien, lorsqu'elle fait un bien et qu'elle le veut, Allah subhanahu wa ta'ala lui facilitera à en faire encore plus. Quant à celui qui veut un mal et qui le fait, Allah subhanahu wa ta'ala lui facilitera vers le mal, lui facilitera la voie du mal. Donc, ce que chacun d'entre nous doit avoir
en soi, c'est d'appliquer. D'appliquer ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de faire et de délaisser ce qui nous a interdit. Et ensuite, faisons confiance à Allah subhanahu wa ta'ala, car comme on l'avait dit la dernière fois, Allah subhanahu wa ta'ala n'offense pas ses serviteurs. Allah subhanahu wa ta'ala est le plus juste des justes. Donc celui qui n'arrive pas à assimiler qu'il a à la fois une volonté et un libre arbitre, et que cette volonté, ce libre arbitre, suit la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui n'arrive pas à comprendre ça, qu'il comprenne au moins qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le plus juste des justes, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'offense personne. وكل ما يحصل من هداية وضلال هو بمشيئة الله وإرادته وقد بين الله للعباد طريق السعادة وطريق الضلالة وأعطاهم عقولا يميزون بها بين النافع والضار فمن اختار طريق السعادة فسلكه انتهى به إلى السعادة وقد حصل ذلك بمشيئة العبد وإرادته التابعة لمشيئة الله وإرادته وذلك فضل من الله وإحسان. Et donc, le chef donne un exemple pour illustrer tout ce qui a lieu comme guidé et égarement a lieu par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala a montré la voie du bien, a montré à ses serviteurs la voie du bien et également la voie du mal. Et Allah subhanahu wa ta'ala a donné à ses serviteurs une raison par laquelle ils distinguent ce qui leur est profitable et ce qui leur est nuisible. Celui qui aura choisi la voie du bien, la voie de la félicité, eh bien, il atteindra la félicité, il atteindra le bonheur. Et ceci aura lieu par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, par la volonté de ce serviteur, de cet être humain, qui suit la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala, envers ce serviteur. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous a montré le bien et le mal. Il nous a donné une raison par laquelle nous distinguons le bien du mal. Celui qui prend la voie du bien, celui qui choisit de suivre la voie du bien, et de cette voie-là l'emmènera vers le bien, vers la félicité, vers le bonheur. Et le fait qu'il ait suivi la voie du bien, il l'a suivi par sa volonté. L'être humain a suivi avec son libre arbitre, avec son choix, qui suit la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, et par-dessus tout cela, c'est un bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé. وَمَنْ اِخْتَارَ طَرِيقَ الضَّلَالَةِ وَسَلَكَهُ إِنْتَهَى بِهِ إِلَى الشَّقَاوَةِ وَقَدْ حَصَلَ ذَلِكَ بِمَشِيَةِ الْعَبْدِ وَإِرَادَتِهِ التَّابِعَةِ لِمَشِيَةِ اللَّهِ وَإِرَادَتِهِ وَذَلِكَ عَدْلٌ مِنَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Et quant à celui qui aura choisi la voie du mal, la voie de l'égarement, eh bien cette voie-là l'emmènera vers al-shaqawa, vers le malheur. Vers le malheur. Et d'avoir suivi le chemin du mal, l'être humain l'a suivi avec un libre arbitre de sa part, avec un choix de sa part. Et ce libre arbitre et ce choix et cette volonté suit la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ceci est une justice. Et Allah subhanahu wa ta'ala est juste dans cela. Allah subhanahu wa ta'ala est juste car il a laissé un libre arbitre à cette personne. Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a donné une raison à cet être humain pour différencier le bien du mal. Si cet être humain suit le mal et qu'Allah subhanahu wa ta'ala par sa volonté lui accorde, il lui aura accordé en étant juste. Allah subhanahu wa ta'ala ne l'aura pas offensé. Pourquoi ? Parce qu'il lui a à la fois donné la raison et lui a montré aussi le bien et le mal. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a montré à cette personne le bien et le mal, lui a donné la raison pour différencier du bien et du mal. Ensuite, si la personne décide de suivre la voie du mal et qu'Allah subhanahu wa ta'ala par sa volonté lui autorise, il lui aura autorisé en étant juste, il ne l'aura pas offensé. Vous avez saisi? C'est sûr.
قال الله عز وجل ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين أي طريقي الخير والشر وقال إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا وقال من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. الله سبحانه وتعالى dit selon le sens des versets: ne lui avons-nous pas signé deux yeux, ou ne lui avons pas donné, ne lui avons-nous pas donné deux yeux et une langue et deux lèvres? Ne l'avons-nous pas guidé aux deux voies? Et il dit aussi, subhanahu wa ta'ala, nous l'avons guidé dans le chemin, qu'il soit reconnaissant ou ingrat, qu'il soit reconnaissant ou ingrat. C'est-à-dire que la personne soit reconnaissante ou ingrate, Allah subhanahu wa ta'ala lui a montré le chemin du bien, lui a montré le droit chemin. Et quant au premier verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit, ne lui avons-nous pas donné deux yeux et une langue et deux lèvres? Ne l'avons-nous pas guidé aux deux voies? Ensuite le cheikh explique, c'est-à-dire la voie du bien et la voie du mal. Allah subhanahu wa ta'ala pose la question: n'avons-nous pas guidé l'être humain, ou ne lui avons-nous pas montré les deux voies, la voie du bien et du mal? Et il dit aussi, subhanahu wa ta'ala, celui qu'Allah guide, c'est lui le bien guidé, et quiconque il égare, tu ne trouveras alors pour lui aucun allié pour le mettre sur la bonne voie. والهداية هدايتان: هداية الدلالة والإرشاد، وهذه حاصلة لكل أحد، وهداية التوفيق، وهي حاصلة لمن شاء الله هدايته. Et quant à la guidée, il y a deux sortes de guidée. La première guidée, qui est la guidée d'orientation, هداية الدلالة والإرشاد. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a montré à tout le monde, ou a guidé tout le monde. Et le guider, ici, il faut le prendre dans le sens montrer, comme un guide. Un guide, quand quelqu'un qui voyage, il a besoin d'un guide, c'est-à-dire quelqu'un qui connaît les lieux, qui pourra l'orienter, qui pourra lui montrer les chemins, par exemple, qui sont les plus courts, les chemins où il y a peu de danger, etc. Donc la guidée qu'il faut comprendre, le mot guidée qu'il faut comprendre dans ce sens, c'est l'orientation, montrer le chemin. Allah subhanahu wa ta'ala a montré le chemin à tout le monde, à l'humanité entière. Allah subhanahu wa ta'ala leur a montré le chemin du bien ainsi que le chemin du mal. Et celle-ci, les savants l'appellent hidayatul dalala wal irshad, que je traduirai moi par guidée d'orientation, la guidée d'orientation. Et la deuxième sorte de guider est Hidayat al-Tawfiq, qui est la guidée des cœurs, ou la guidée qui a lieu par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la guidée des cœurs, celle-ci, elle a lieu qu'envers une personne qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu guider. Donc, al-hidayatu dalalati wa irshad, la guidée d'orientation, celle-ci, elle englobe tous les êtres humains. Tous les êtres humains, Allah subhanahu wa ta'ala leur a montré le chemin du bien et le chemin du mal. Quant à la guidée des cœurs, hidayatu tawfiq, celle-ci, elle n'a lieu que qu'envers les personnes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu guider. ومن أدلة الهداية الأولى قول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم, أي أنك تدعو كل أحد إلى الصراط المستقيم. Et concernant la preuve qui nous prouve la première sorte de guider, qui est la guidée d'orientation, هداية الدلالة والإرشاد,
C'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il parle à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon le sens des versets. Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Et tu guides certes vers le chemin droit. Et tu guides certainement vers le chemin droit. C'est-à-dire, tu appelles tout le monde à suivre le droit chemin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été envoyé à toute l'humanité. Il a été envoyé aux êtres humains et aux djinns. Depuis le moment où il a reçu la révélation, depuis le moment où il est devenu prophète, jusqu'à la fin des temps. L'appel de l'islam est dirigé vers tout le monde, vers toute l'humanité, vers tous les êtres humains et tous les djinns. Et Allah subhanahu wa ta'ala ici a affirmé, il a affirmé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam appelle tout le monde ou a appelé tout le monde à suivre le droit chemin. Ouais. Mais est-ce que tout le monde l'a suivi? Non. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé, donc personne n'a d'excuses. Ce qu'il faut comprendre, c'est que personne n'a d'excuse. Tout le monde a été appelé à suivre l'islam, à suivre le chemin droit. ومن أدلة الهداية الثانية قول الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. Et pour prouver la deuxième sorte de guider qu'il a guidé des cœurs, et la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala en parlant à son prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant selon le sens, tu ne guides pas qui tu veux, mais Allah guide qui il veut. Et celle-ci, la guidée qui est citée dans ce verset, c'est Hidayat al-Tawfiq, la guidée qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde par sa grâce, la guidée des cœurs. Donc dans le premier verset, Allah subhanahu wa ta'ala a dit en parlant de son prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a guidé tout le monde vers le chemin droit, c'est-à-dire qu'il a montré à tout le monde la voie droite qu'il faut suivre. Et dans l'autre verset, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, tu ne guides pas qui tu veux, mais Allah guide qui il veut. Donc on voit bien dans ces deux versets que dans le premier, Allah subhanahu wa ta'ala a affirmé une guidée, et dans l'autre, Allah subhanahu wa ta'ala dit, tu ne guides pas qui tu veux. Il y a bien une différence, il y a bien deux sortes de guider. La première qui est de montrer, d'orienter les gens vers le bien, vers la voie droite. Et la deuxième qui, elle, est en rapport avec le cœur. La guider des cœurs, personne ne peut la faire, elle ne peut être faite que par Allah subhanahu wa ta'ala. Le seul qui peut guider les cœurs est Allah azza wa jal. وَقَدْ جَمَعَ اللَّهُ بَيْنَ الْهِدَيَتَيْنِ فِي قَوْلِهِ والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم فقوله والله يدعو إلى دار السلام أي كل أحد فحذف المفعول لإرادة العموم وهذه هي هداية الدلالة والإرشاد وقوله ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أظهر المفعول لإفادة الخصوص وهي هداية التوفيق. Et Allah subhanahu wa ta'ala a cité ces deux sortes de guidés dans un même verset. Où Allah subhanahu wa ta'ala dit selon le sens, et Allah appelle vers la demeure du salut, c'est-à-dire le paradis, et guide qui il veut vers le chemin droit. Donc, dans ce verset-là se divise en deux. La première partie, où Allah subhanahu wa ta'ala dit selon le sens, Allah appelle à la demeure du salut. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala appelle au paradis. Et dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas cité le complément. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas cité qui il appelle. Et les savants ont déduit que le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'ait pas cité qui il appelle, cela prouve que ça englobe tout le monde. Allah appelle qui ? Il appelle tout le monde à la demeure du salut. Allah appelle tout le monde au paradis.
C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a montré à tout le monde la voie droite, la voie qu'il faut suivre. Autrement dit, c'est la guidée d'orientation. Et quant à la deuxième partie du verset, et Allah guide qui il veut vers le droit chemin, ici Allah subhanahu wa ta'ala a cité qui il guide. Il dit, il guide qui il veut. Allah guide celui qu'il veut vers le chemin droit. Il a sirat al-mustaqim. Les savants ont dit, ici Allah subhanahu wa ta'ala a cité qui il guidait dans le droit chemin. Pour prouver que ici, il est fait allusion à la guidée des cœurs. Allah guide qui il veut, il guide le cœur de qui il veut. C'est-à-dire que c'est une guidée qui est restreinte, qui n'est pas à tout le monde, dont tout le monde n'a pas le droit. Seuls ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordé. والفائدة السابعة الإيمان عند أهل السنة والجماعة يتألف من اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح فهذه الأمور الثلاثة داخلة عندهم في مسمى الإيمان. Et la croyance chez les gens de la sunna, أهل السنة, la croyance chez eux signifie de croire avec le cœur, signifie une croyance avec le cœur, une parole avec la langue et un acte fait par les membres du corps. Ces trois choses chez les gens de la sunna entrent dans le cadre de la croyance. Donc la croyance chez les gens de la sunna, ce n'est pas seulement croire, par exemple, croire qu'avec le cœur, non. La croyance est beaucoup plus vaste que cela. La croyance, elle englobe le fait de croire avec son cœur, d'attester avec son cœur, de parler avec sa langue et d'agir avec ses membres. قال الله عز وجل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم ففي هذه الآيات دخول أعمال القلوب وأعمال الجوارح في الإيمان. Allah subhanahu wa ta'ala dit selon le sens des versets, les vrais croyants sont ceux dont les cœurs frémissent quand on mentionne Allah, et quand ces versets leur sont récités, cela fait augmenter leur foi et ils placent dans leur confiance et ils placent leur confiance en leur Seigneur, ceux qui accomplissent la salat et qui dépensent dans le sentier d'Allah de ce que nous leur avons attribué. Dans ce verset-là, ou dans ces versets, il est fait allusion au cœur, de même qu'il est fait allusion aux actes accomplis par les membres du corps. Quant au cœur, c'est lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit, en parlant des croyants, ils placent leur confiance en Allah. D'avoir confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une adoration. Mais est-ce que c'est une adoration? C'est une adoration faite par quelle partie du corps? Le cœur. At-tawakkul, avoir confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un acte qui est en rapport avec le cœur. Quelqu'un qui a confiance en Allah, on ne peut pas le voir. On peut pas. C'est pas un acte qui fait avec les membres de son corps. Non. C'est un acte qui est en rapport proprement ou qui est en rapport spécifiquement au cœur. Et Allah a dit aussi, ceux, c'est-à-dire qui les croyants, ceux qui accomplissent sa salat et qui dépensent dans le sentier d'Allah ce que nous leur avons attribué. Et ensuite, ici, il est fait allusion aux actes accomplis par les membres du corps, comme la prière. Quelqu'un qui prie, c'est un acte qui est accompli par les membres du corps. Ar-ruku', as-sujud, etc. Ce sont des mouvements du membre du corps. Donc dans ce verset-là, on voit bien que la croyance englobe
le cœur, les actes faits par le cœur et les actes faits par les membres du corps. وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان فقد دل الحديث على أن ما يقوم بالقلب واللسان والجوارح من الإيمان. Et Muslim rapporte dans son sahih, selon Abu Huraira radiallahu anhu, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la croyance est constituée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit bid'un wa sab'un ou bid'un wa sittun. Al-bid' en arabe, il y a plusieurs explications, mais la plus vraisemblable, c'est que al-bid'a, c'est le nombre qui est compris entre 3 et 9. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la croyance est composée de entre 73 et 79 ou 63 et 69 branches. Le hadith a été rapporté ainsi. La croyance, la foi, al-iman, est composée de 73 à 79 ou de 63 à 69 branches. La meilleure est le fait de dire la ilaha illallah. La plus basse est d'enlever une chose nuisible de la route. Et la pudeur fait partie de la foi. فقد دل الحديث على أن ما يقوم بالقلب واللسان والجوارح من الإيمان. Donc dans ce hadith là on retrouve à la fois un acte fait par le cœur, une parole dite par la langue et un acte fait par les membres du corps. Quant à la parole faite avec la langue, c'est le fait de dire, le prophète sallam a dit la meilleure des branches de l'iman, de la foi, et de dire la ilaha illallah. Donc dans la parole, imatatul adha anit tariq, d'enlever une chose nuisible de la route, la plus basse ou la branche la plus basse de la foi, et d'enlever une chose nuisible de la route. Donc là on a un acte fait par les membres du corps. Et ensuite le prophète sallam a dit wal haya shu'batun min al-iman, et la pudeur qui elle est en rapport avec le cœur, et la pudeur fait partie de la foi. Et la pudeur est une branche de la foi. Et la pudeur, les savants ont donné une explication en disant que c'est un comportement, ou c'est une kholokon, c'est un comportement qui a pour conséquence de délaisser le mal et de faire le bien. La pudeur ou avoir honte d'Allah subhanahu wa ta'ala, avoir honte, quand tu as honte d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand tu es pudique envers Allah subhanahu wa ta'ala, cette pudeur, cette honte qui est en rapport avec le cœur, va te pousser à faire le bien et va te pousser également à délaisser le mal. Donc la pudeur proprement dite, c'est pas un acte fait par les membres du corps, c'est un acte du cœur dont les conséquences sont visibles extérieurement. Celui qui est pudique, celui qui a honte d'Allah subhanahu wa ta'ala, il fera très difficilement un péché et il accourra vers les bonnes actions. Donc dans ce hadith-là, on retrouve bien les trois choses que les gens de la sunna considèrent parmi la foi. Comme fi qawlillahi azza wa jal, inna alladhina amanu wa amilu s-salihat, كانت لهم جنات الفردوس نزلا. وأما ما جاء في القرآن من آيات كثيرة فهي عطف العمل الصالح على الإيمان، كما في قول الله عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، وقوله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، وقوله
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فلا يدل العطف على عدم دخول الأعمال في مسمى الإيمان بل هو من عطف الخاص على العام وذلك أن التفاوت بين الناس في الإيمان يكون غالبا لتفاوتهم في الأعمال وفي الأقوال أيضا. Et concernant le cheikh ici veut effacer ou éliminer l'ambiguïté qui peut apparaître dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dit sur le sens: ceux qui ont cru et fait de bonnes œuvres, ils auront le paradis du Firdaus comme demeure. Et il dit aussi subhanahu wa ta'ala: ceux qui ont cru et ont fait de bonnes œuvres, ce sont les meilleurs des gens. Et il dit aussi subhanahu wa ta'ala sur le sens: ceux qui ont cru et qui ont appliqué de bonnes œuvres ou qui ont fait de bonnes œuvres, le tout miséricordieux leur accordera son amour. Dans ces versets, Allah subhanahu wa ta'ala cite différemment ou cite distinctement la foi et les actes pieux. Il dit ceux qui ont cru et ont fait des actes pieux. Ceux qui ont cru et ont fait de bonnes œuvres, ils auront le paradis comme demeure. Donc ici Allah subhanahu wa ta'ala a cité séparément la foi et les bonnes œuvres. Est-ce que cela prouve que les bonnes œuvres n'entrent pas ou ne sont pas comprises dans la foi, ou que la foi n'englobe pas les bonnes œuvres? Non. La preuve, le cheikh prouve et explique pourquoi cela n'est pas une preuve. Il dit car le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala cite séparément les actes de la foi, cela ne prouve pas que les actes pieux n'entrent pas dans la foi. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a cité une chose globale et une chose précise. La chose globale qui est l'iman, la croyance, et la chose précise qui sont les actes pieux. Et je vais vous donner un exemple dans un autre verset où Allah subhanahu wa ta'ala, un exemple qui va mieux vous faire comprendre la chose. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran selon le sens: وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala dit selon le sens des versets: et celui qui ne croit pas en Allah, ne croit pas en ses anges, ne croit pas au jour du jugement, ne croit pas en Jibril et en Mikaïl. Allah subhanahu wa ta'ala au début du verset, il a dit quoi? Ceux qui ne croient pas en Allah, en ses anges, au jour du jugement, en Jibril et en Mikaïl. Mais Jibril et Mikaïl, est-ce qu'ils font partie des anges ou pas? Allah subhanahu wa ta'ala pourtant il les a cités séparément. Il a dit au début, ceux qui ne croient pas en Allah, en ses anges. Et en ses anges, ça englobe Jibril et Mikaïl, alayhim salam. Les savants ont dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a cité séparément Jibril et Mikaïl pour montrer leur importance, pour montrer leur valeur. Et qu'il a cité une chose précise après la chose globale. La chose globale, c'est-à-dire les anges, celui qui ne croit pas en Allah, en ses anges. Donc là, ça englobe tous les anges. Et ensuite, il a cité après, plus précisément, Jibril et Mikaïl. Et bien, c'est la même chose dans les versets précédemment, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a dit ceux qui ont cru et qui ont fait de bonnes œuvres. La croyance, elle englobe les bonnes œuvres. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a cité les bonnes œuvres séparément, car en général, comme le cheikh le dit, en général, ce qui différencie les gens, ce sont les actes pieux. Ce qui fait qu'une personne est meilleure que l'autre, c'est l'acte pieux. Comme le professeur Salam nous l'a dit, que le meilleur d'entre nous est celui qui est le plus pieux. Et la piété, qu'est-ce que c'est? C'est d'appliquer les bonnes œuvres et de délaisser les interdits. Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala a cité séparément les actes pieux pour nous montrer, car c'est la grande distinction entre les gens. C'est ce qui distingue les gens
Et c'est ce qui fait qu'une personne est meilleure que l'autre. Les actes pieux, les bonnes œuvres. Et en aucun cas, il ne faut comprendre qu'Allah subhanahu wa ta'ala a cité les actes séparément de la foi. En aucun cas, il faut comprendre que les actes ne font pas partie de la foi. Les actes pieux font partie de la foi. Et on l'a cité dans le premier verset, où Allah subhanahu wa ta'ala décrit les croyants, donc ceux qui ont cru, comme appliquant la salat et donnant l'aumône, qui sont des actes pieux. Et ces actes pieux rentrent dans le cadre de la foi. وذلك أن التفاوت بين الناس في الإيمان يكون غالبا لتفاوتهم في الأعمال وفي الأقوال أيضا لأن القول عمل اللسان بل إنهم يتفاوتون فيما يقوم بقلوبهم. قال الحافظ في الفتح نقلا عن النووي والأظهر المختار أن التصديق يزيد وينقص بكثرة النظر ووضوح الأدلة ولهذا كان إيمان الصديق أقوى من إيمان غيره بحيث لا يعتريه الشبهة ويؤيده أن كل أحد يعلم أن ما في قلبه يتفاضل حتى إنه يكون في بعض الأحيان الإيمان أعظم يقينا وإخلاصا وتوكلا منه في بعضها وكذلك التصديق والمعرفة بحسب ظهور البراهين وكثرتها. Ici le cheikh dit que Allah subhanahu wa ta'ala a cité séparément les actes car c'est en général, en règle générale, ou le plus souvent, c'est ce qui différencie les gens. Mais le cheikh dit, mais il n'y a pas que les actes qui différencient, il y a aussi les paroles. Et la parole est un acte de la langue. Les paroles, la parole, quand on parle avec notre langue, donc c'est un acte de la langue. Et il dit aussi, le cheikh, et de même que les gens se différencient ou se distinguent aussi par leur croyance, dans la croyance du cœur. Et ceci, chacun d'entre nous le sait. Il y a des moments où il sent que sa foi augmente, il sent que sa croyance est grande, comme il ressent également que sa croyance, à certains moments, est faible. Et la foi est ainsi, elle augmente. Elle augmente en faisant les actes bien, en faisant les bonnes actions, et elle diminue en faisant les péchés. De même que rendre véridique une chose distingue les personnes. Et le cheikh a cité une parole de Hafez ibn Hajar qui dit que ce qui a différencié Abu Bakr as-Siddiq, le véridique, des autres prophètes, des autres compagnons, entre autres, c'est qu'il a été le premier à rendre véridique la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a dit qu'il était un envoyé d'Allah. As-Siddiq, ce surnom qui est le véridique, pourquoi? Car il était le premier à croire au prophète sallallahu alayhi wa sallam et à rendre véridique sa parole. Et c'est pour cela que Abu Bakr as-Siddiq est appelé le véridique. Et Abu Bakr as-Siddiq a cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam et a rendu sa parole véridique sans en avoir aucun doute. Il n'avait aucun doute sur la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le fait de rendre véridique une chose distingue également les personnes. Et concernant la semaine prochaine, inshallah ta'ala, le cours aura lieu samedi entre le maghrib et l'isha et non vendredi. Donc pour la semaine prochaine. Barakallahu fikum. Subhanakallahu wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.
الله